ça fait mal. Pas trop le choix, mon piaf ne peut pas retourner. Et du PP plus aussi. Moi ça va, ça va. Pétu, c'est pas encore stall power. Hein. Parce que je te promets, il y a des matchs de stall, c'est encore plus horrible que ça. Hein. Et là, tu vois, il y a quand même eu un KO. Ah, je l'avais oublié, celui-là. Non, mais c'est normal, l'armure. Hein. Je le joue aussi de temps en temps, mais c'est une vraie play. Hein. Et là, ça va être fini. Normalement, j'ai perdu large, puisque derrière, ça tout va s'enchaîner. Mimille, pas plus que ça, c'est normal quoi. C'est ça, il est méga évolué, donc il est dopé. Ah, j'aurais pensé qu'il y aurait armure qui arriverait. Ouais, le coup critique qui sert quasiment à rien. Le seul truc c'est avec Dracarmin, c'est que s'il pose des pièges de roc avec le repos blabla dodo, c'est pas sûr de tomber sur la Dracocu. Mon pauvre Zoroark. Et c'est terminé. Bien joué, Valef. Qu'est-ce que je fais, moi? En plus, je misclique. Ok.
Génial. Et en plus, je pensais qu'il allait mourir carrément. Ça a mis le temps, mais maintenant, une fois bien dérouillé, ça passe. Non, mais je résigne jamais, ou quasi, enfin, vraiment quasiment pas. J'aime pas résigne. On sait pas que ça passerait. Le brevet à blanc, c'est rien du tout. Disons que quand on est dedans, en plein dedans, on dit ouais, c'est quelque chose, mais... Plus on monte dans les études, plus on se dit qu'avant c'est rien du tout. Surtout pour un brevet blanc, faut surtout pas stresser. Et voilà, GG Valef. Bien joué. Voilà, j'ai pas resign et j'ai tué ma cogneur. Voilà. Même si j'ai perdu, je fais du mieux que je peux. Voilà. Même si avec juste Smogogo, ça passait pas. Le reste. Mais de rien. Si tu as besoin d'un sac de frappe, Valef, hein, y a qu'à demander. Hein. Bon, je vais pouvoir reprendre la chasse. Ouais. Chaffreux, où es-tu? Mimi, là c'est mon équipe de bras cassés, hein. Si je pourrais faire une équipe beaucoup mieux que ça, hein. Vu ce que j'ai en stock. Bah, PS Diablo, tu peux chasser en horde, tu peux chasser au Navidex, tu peux aller dans les îles Mirage même, pour faire du Navidex ou des rencontres simples. Mais oui, que je vais l'enlever! Le petit. Et non, Mimile, ne me porte pas la poisse pour le shiny. J'ai déjà assez de poisse comme ça, voyons. Non, Mimile. Non, j'aurais pu le laisser, hein, le l'insou lourdeau. L'écran du bas, honnêtement, à part. Enfin, quoique. Si pour le Navidex, il y a le fait de voir le nombre de rencontres, ou de savoir où il est, plus ou moins, mais. Sinon, en général, il sert quasiment à rien. Allez! C'est ça, rien que de la chance. Une goule, non, c'est pas aujourd'hui. Je ne fais pas de challenge shiny. C'est, je ferai ça, mais ce sera bien indiqué avec le logo qui se trouvera juste au-dessus. Là, il y est pas, c'est le logo Poké Tools pour vous dire que Poké Tools c'est bien, il vous faut aller dessus.
Alors, Mont Chaffreux, c'est une forêt mirage. Donc, c'est une forêt qui apparaît aléatoirement. Et il y en a deux où on peut le chasser. Donc, celle-ci étant la moins bien. Non, mais il y a beaucoup de monde qui peuvent lancer l'émeute. Poisse, sel, chance. Pension, bah, c'est pour la liste des 5 tops pour les lots. Donc je n'oublierai pas 1000 pour le motisma. Allez. Acharné, voilà, ça me correspondrait bien. Allez, viens petit. D'accord. Alors, ne pas faire fuite et tuer le truc en face, oui. Parce que si je dis ça, en fait, c'est que j'ai failli glisser juste à côté. Attaque-moi ce truc! En fait, une goule, c'est au fur et à mesure que tu fais le Navidex, les niveaux augmentent. Et toutes les 5 rencontres, ou les 10, je sais plus, ben, il y a un niveau, enfin un Pokémon avec un gros niveau qui apparaît. Merci Xana. Eh, c'est le Chaffreux, il me axe depuis tout à l'heure. Celui-ci me fait attraction, alors que les autres, en général, c'est Vantardise. Je suis super contente parce que ça me fait perdre du temps et que j'ai pas de Pokémon combat, sinon j'aurais dû prendre mon Mâconnyeur, comme ça aurait été réglé. Allez. Oh, c'est pas possible. Le téléphone qui sonne, je vous épargne la sonnerie. J'adore quand des personnes m'appellent alors que c'est même pas pour du boulot. Encore ce serait pour du boulot. Je suis obligée de laisser mon téléphone allumé pour du boulot. Et c'est jamais du boulot qui m'appelle. Xana, j'aimerais bien, mais c'était pas le cas. N'importe quoi. Mimille, tu as craqué. MPTU, j'en ai pas. Puis je ne joue pas ma mouchon. Enfin, pas maintenant, du moins. Hein? Qu'est-ce qu'il me fait, le chat? Le coup critique qui sert à rien, qui fait plaisir de juste d'être vu. Oula, doucement, doucement, doucement. Là, ça se voit quand même si je peux ajouter des gens ou pas, et non, je ne l'ai pas fait. Là, je suis en train de chasser, je le ferai sans doute après le live. Parce que je pense que vous pouvez voir ce que je fais. C'est ça.
Bientôt 150 chaffreux vus. Ouais! Youpi! Le 148ème! Allez, viens, moi! Sois shiny! Je pense que j'en demande un peu beaucoup vu que. Vu qu'avant. Enfin, hier j'ai eu assez rapidement le. Comment il s'appelle le. Ah! Le sans coquille. Ok, Impétus, ça marche! À une prochaine, des bisous! Et à côté, dans un safari glace, il n'y a pas de shiny. J'aurais bien aimé quand même avoir un shiny en live aujourd'hui. Tu sais, déjà quand tu vois au massacre, tu te dis qu'est-ce qu'ils ont foutu. Hein. Pourtant, c'est pas un poisson, mais ça ressemble vraiment à une anguille. Il est tellement long ce truc qu'on dirait presque un câble électrique. Allez. Et puis eau électrique, tu as déjà Motis 1. La machine à laver, ouais. Bon, faut pas que je fasse suite. En fait, tu veux que je sois spoilée de tout le temps, quoi. Toujours rien en safari. Ah, c'est j'ai eu Aeromite, c'est bon, machin, ça est parti à lui. Voilà, t'as eu de la chance de me voir, maintenant je pars avec toute ta chance. Je sens bien le coup foireux comme ça. Ça enchaîne bien les chaffreux. Bonne petite reprise, une bonne petite post-combat, rien de mieux. Allez, petit, petit, petit. Le pauvre chaffreux qui se fait défoncer depuis tout à l'heure. Toute sa famille va y passer. Tant qu'il viendra pas en shiny. Et vu la tête qu'il a, il doit pas tenir à sa famille. Il est pourri celui-là.
Parfait pour un shiny. Ok, j'ai rien dit. Je fais juste un petit tour sur Twitter en même temps. Regardez les nouvelles ou les notifications. Ok. À part attraction, il ne fait rien. N'hésitez pas à... Où vous en êtes au niveau de la chasse des gens depuis que j'ai repris? Merci Shainera pour le follow. Pas de jet glissé? Bizarre. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien glisser sur lui en shiny aussi. Oh, ça aurait été marrant de l'avoir en shiny. Mais bon, j'ai pas dû assez avancer au niveau des chiffres. C'est pas gentil ça. Toujours pas de chevreux. Shining. Je pense que je vais arriver jusqu'à 200. Allez, je sens que je vais faire au plus que le roi Shiny, je le sens bien. Ou que je vais l'avoir en off, je vais faire une rencontre ou deux et boum, Shiny. Sachant qu'il reste, il va rester bientôt, allez, une trentaine de minutes avant la fermeture, que je clôture le live aujourd'hui. Oui, tout doux, oui. Parfait. Dommage. Un base Diablo. Mais c'est bizarre que t'aies pas une petite île comme ça. Ah, c'est Chaffreux qui est absent.
Une île qu'avec des Romelos, c'est l'île de Ken Bogard. Pardon. Allez, allez, allez. Le gros chat, ça m'émère. Un jour, tu vas forcément être chez. D'ici là, je pense que j'aurai le temps de massacrer toute ta famille. Avant que t'arrives chez Shiny. À moins qu'il me fasse pire que le Luxio, qui me fasse poireauter plus de 600 rencontres. Vu que j'ai pas. Que j'ai. Je crois que c'est le Luxio qui m'a fait le plus galérer. Je sens que je vais avoir du mal. Ok, à toutes, des bisous. Toujours rien à côté. Avec un peu de chance, ça va se relancer de suite. C'est le plus embêtant avec le Navidex, c'est de faire les pas pour retrouver un Pokémon. C'est gentil le jeu. Je m'en souviendrai. Oula. Bon ça va, j'ai pu relancer sur un chaffreux, ça m'évite de tomber sur un Pokémon à côté. Alors sur ma seconde DA, je fais du safari. Je suis sur un safari glace où il y a un Stalgamin, des Lamantines. Et du Polagriff. J'ai déjà Polagriff. En fait, c'est plus le Stalgamin ou le Lamantine que j'aimerais avoir en Shiny. Mince, j'ai oublié de me mettre en bas. Bon, ça va. Et en fait, je regarde souvent l'autre DS parce qu'en fait, comme Lamantine, j'ai pas le son dans les oreilles. Donc du coup, j'ai pas envie de le louper. C'est un peu embêtant. Surtout que le Shiny, je veux dire, honnêtement, on voit pas du tout la différence. Ah. Mon compagnon qui rentre. Oh mais le chaffreux je l'aurai à un moment donné, je l'aurai, c'est sûr. Je sais pas quand mais je l'aurai. Sûrement je l'aurai en off. Je pense que le Navidex c'est au niveau des chances d'avoir un Shiny, c'est quand même plus simple que. Mais après, c'est peut-être pas dit que je l'ai avant ton Cresselia. Hein. Il suffit que je laisse le chaffreux de côté et que tu continues. Mais je pense que, honnêtement, faut pas perdre espoir. Et je pense que vous aurez plus de chance que moi aujourd'hui. Directement à repop, magnifique.
Oui, sans doute Dino. Enfin, j'ai dû regarder pour voir ce qu'il y avait dedans, mais je me suis dit, bon, ça a l'air sympa. Bonne chance dans vos risettes parce que j'ai l'impression que vous êtes nombreux à le faire. Allez, chaffre, reviens. Tournegrin. Oui, quand tu re... en fait, il faut reset carrément les paramètres de la console pour changer de Safari. C'est une manipulation, c'est chiante. Roya, comment ça va depuis tout à l'heure? Désolée si je fais un peu de bruit. Dans moins de 30 minutes. Génial, il repop assez vite. Je vais pas courir dans les airs pendant 3 ans. Coucou toi, le gros pépère, je vous présente un chat. Il est super content de passer à la cam. Viens, tu ronronnes en plus. Allez, bon, d'accord, j'ai compris, tu files. Ce chat est un destructeur. Surtout quand il fait tout tomber en fait. Et c'est un gros pépère. Ouais, bientôt niveau 100 le lignon. Salut Bloody, comment ça va? Ah non, mon chat est plus joli que Chaffreux, ne l'insultez pas quand même, respectez-le. Chaffreux est vraiment moche à côté. Ça va. Chaffreux me résiste, je pense qu'il viendra pas aujourd'hui, ou alors ce soir en off.
si j'évite, c'est pas super. Ah, ça c'est embêtant, Bluey. J'en suis à combien? Ah, j'ai pas vu le chiffre. Il me semble que j'ai dépassé les 150 facilement. Est-ce que je vais finir aux 200? Alors, voyons à combien je suis. Ok, ça sera le 170e. Parfait. Ça avance vite, mine de rien. Je pensais être à moins. Allez. Pourrait être pas mal. Et non. Va falloir que je recharge un peu mes PP, j'ai quasiment... Que dalle. Donc je pose une question. Est-ce que quelqu'un voudrait un code de Dracaufeu Shiny? Parce qu'en fait j'en ai deux en rab. Comme ça. Alors, Shinera, en fait je fais mes lives en général l'après-midi quasiment tous les jours. Sauf le week-end. Et le week-end c'est exceptionnellement si on me... C'est exceptionnel vraiment si je l'ai vu. Hier c'était... j'avais besoin de faire une émission pilote en fait. Et je stream en général jusqu'à 19h. Je ne sais pas quand est-ce que je commence en général, mais je finis à 19h. Ok, Bouki, ça je note. Quelqu'un d'autre pour le code? Parce que là, j'ai vraiment deux. S'il n'y a que deux personnes pour le code, bah à ce moment-là, j'aurais pas à tirer à pile ou face ou à faire un petit tirage au sort. Moi, ça m'arrange. Et les codes sont valables jusqu'au 13 juillet. Hein. Et ce Lamantine qui m'angoisse à chaque fois quand il apparaît, je me dis oh il est shiny. Non, il est pas shiny. Merci MPS Diablo. Je me disais que j'avais pas claqué Dora PP, que c'était bizarre. D'accord, je note. Sachant que les codes, je vais les gratter à la fin du live et je les donne par MP Twitch. Pas MP Twitter, MP Twitch. Hein.
D'accord, un rookie. Dans ce cas, il me reste que... J'ai encore un code à donner, si... Ou au pire, Bookie, j'ai envie de te dire les codes, je sais pas s'il m'en restera le 13, hein. Je sais pas. Si tu peux, enfin, après, peut-être que d'ici là, tu pourras avoir ta console avant. Non, pas du tout, une goule, c'est j'aime bien chasser, je suis quelqu'un de très patiente. Et encore, je vous montre du Navidex, je vous montre de la Horde, je vous montre du Safari, du Poké Radar, c'est intéressant. Moi, la chasse que je fais, c'est du Masuda. Et puis, je ne vous montre pas que de la chasse, je fais pas que H24 de la chasse, puisque tu as loupé des combats. Je fais également des combats. Ok, Xana, je te mets ça au chaud, si tu veux. S'il n'y a personne d'autre. Après, une goule, si tu tombes sur les périodes où je fais pas les combats alors que je les ai fait juste avant. Impasse Diable aussi, j'en fais des resets. Je fais surtout des resets de starter. Moi, j'ai fait du reset de starter pour Poussif, pour Arco. J'ai eu 3 hérissandres shiny, j'ai eu 2 Kaiminus shiny, Rizet, j'ai eu un légendaire, j'ai eu un décret, je sais plus lequel c'est. Donc j'en fais, mais le truc c'est que si je le fais en live, bah c'est chiant. C'est comme le Masuda, je pourrais très bien vous le proposer. Ou à la rigueur, si je fais mes challenges shiny, je le ferai sur mes consoles à côté, à moins que vous vouliez vraiment, vraiment voir du reset. Auquel cas, il n'y a pas de soucis. Puisque j'ai déjà fait en live, j'ai déjà fait 151 reset de Zekrom. Hein. Bon, c'est rien pour l'instant. Mais si je me motive, ça va décoller assez vite. J'ai dû faire ça en une heure de stream, un truc comme ça. Une heure et demie. Après, si vous voulez vraiment vous faire chier, je vous fais du Masuda en live. Hein. Je peux vous dire que... Enfin, que le Masuda, si je fais le Greek Knot, ça va. Je vais pouvoir vous parler comment on bride un Pokémon. Hein. La méthode pendant 15 fois avant que les trucs ils ont éclos. Hein. Oui, en effet, c'est magique, mais c'est très très long. C'est des heures et des heures. Surtout quand on n'a pas de chance. Allez, le dernier quart d'heure. Est-ce que ça a porté chance pour le chaffreux? Ce serait bête de repartir sans shiny aujourd'hui. Ah, le nombre de shiny que j'ai, environ, j'en ai plus de 180. Attendez, je vous montre. Alors, elle est pas à jour, parce qu'il en manque qui sont pas mises. C'est pas moi qui ai fait la carte, donc en général, j'attends d'en avoir plusieurs pour demander un ajout des shiny. Hop. Donc sachant qu'il en manque. Hein. Et ça ne compte pas les doubles et les triples que j'ai. Mais entre ceux que j'ai donnés, ce que j'ai attrapé, j'en ai attrapé plus de 180 les gens. Oui, carrément, c'est parce qu'au moins il y a de l'animation, c'est assez technique. Tandis que le Masuda, à part vous expliquer comment. Enfin, on prend un Pokémon qui a pas d'egg move, mettre les egg move dessus et éclore les œufs, c'est. Voilà. Bookie, les shiny, si je les donne, c'est sur des concours. Là, j'ai donné 3 shiny il n'y a pas longtemps pour les 200 abonnés Twitch. Mais sinon, je ne donne pas de shiny comme ça. Je préfère les garder en lot. Pour des raisons. Vraiment pour que des événements exceptionnels.
Parce que si je commence à donner des shiny à tout le monde, j'en aurai pas pour les concours ou pour dire voilà, mes followers, mes viewers, je vous permets de gagner ça. Une fois de temps en temps pour changer. Et j'ai pas assez de shiny en double, faudrait que je fasse que ça. Voilà, avec l'aéromythe, j'ai deux coconfort et j'ai trois drascorn. Ça me fait de l'avance, mais pas forcément de la diversité. Mais Dino, fais-toi plaisir. Si t'en as envie, mais enfin, faut pas que vous hésitiez à le faire. Oh, le reset de fossiles, c'est prévu, mais là c'est enfin, là c'est un petit peu plus intéressant, je trouve, que de reset un légendaire, parce que non, oubliez, c'est chiant. Parce qu'en fait, je vais faire la touche A comme ça. Je vais faire que ça, que touche A. J'ai juste essayé de trouver un sujet pour parler. Eroya, je ne clone pas mes Pokémon. Je ne les clone pas. Je préfère donner des shiny uniques que les cloner. Et après, les donner en échange miracle, je vois pas vraiment l'intérêt. Je préfère les donner à des viewers, hein. Il y a des personnes qui sont là souvent sur les lives. Mais ça m'est déjà arrivé d'envoyer un shiny en échange miracle parce que je ne l'aimais pas et c'est Bargantua. Je le trouve très moche. On clone des Pokémon avec la Power Save. Je préfère, à la rigueur, Eroya, je préfère à ce moment-là faire une séance de Masuda. Et tous les Pokémon qui sont imparfaits, mais qui seront 5 top, je préfère les envoyer à ce moment-là à l'échange miracle. Que la personne ait de quoi bride et voir ce qui va arriver. Oui, moi c'est. En fouillant, si vous fouillez vraiment sur mon Twitter, je crois qu'il y a une photo où je joue avec 3 ou 5, de 3 à 5 consoles, hein, y a pas de souci. Mais par contre, ça demande de la concentration, d'avoir le nez tout le temps comme ça, c'est pas. De pas regarder l'écran, enfin de regarder bien les différents écrans, donc c'est pas intéressant à faire. Je préfère me concentrer sur le live. À la rigueur, 3 consoles en live, c'est possible. 4, ça va commencer à coincer. Et 5, c'est pas du tout, c'est pas possible pour moi à l'heure actuelle. J'ai 3 3DS XL, j'ai la 3DS de capture, j'ai 3DS Lite. Donc j'ai de quoi faire la chasse. Ça passe vite. Ça passe vite et plus que 10 minutes de live. Je me suis bien mis au bout.
Je m'y attendais pas à ce que tu le dises, ça. Décidément, c'est pas aujourd'hui que je veux un Shafro Shiny. En live, hein, en live, je précise. J'aurais peut-être dû partir finalement sur Eskiti, manière de d'avoir un petit Shiny. À vous montrer. Parce que c'est pas à côté non plus, hein. La console, elle me dit, va voir ailleurs si j'y suis. Alors, je vais faire juste un petit tour sur le Twitter, s'il y a de nouvelles notifications. Non, sans plus. Donc pour l'instant vous êtes que deux pour le code Dracaufeu Shiny, donc Shinera et Xana, donc à la fin du live, vu que personne d'autre s'est vraiment manifesté, regardez bien votre boîte mail sur Twitch, quoique Xana, j'ai ton Skype donc. Donc je te l'enverrai par Skype. Crocolarme. Sérieux, mais il a que des attaques pourries, ce truc. Némil, t'as craqué sur Skype. Ok, bonne soirée, Benito. À plus. Des bisous! C'est exactement ça, c'est les mecs qui veulent tous des légendaires et contre... En général, tout le monde veut des légendaires, mais contre eux, ils proposent pas des légendaires à côté, quoi. Je trouve que c'est à moins d'avoir vraiment un shiny, de dire voilà, moi je t'échange des shiny contre un légendaire, mais sinon, je trouve que ça vaut pas du tout. Je préfère investir mon légendaire en autre chose, quoi. Que par rapport à un autre Fennec. Ouais, c'est pas mal, je trouve. C'est Mimi. J'aime bien quand ça s'achaîne comme ça, acharné. Oui, bien ça. Par contre, saisie, rien à faire. Les 5 dernières minutes. Sachant que j'enchaîne pas forcément comme je veux les rencontres au dé enfin, contrairement au Horde, où c'est beaucoup plus simple. Donc je sais pas du tout. S'il va y avoir un shiny cette fois-ci. Bon, hier j'en ai eu deux. C'est toujours ça de prix.
Voilà, qu'est-ce que je disais dans le sens, j'enchaîne pas. Allez, manière qu'on aille à 200! À la fin du live! Allez, je ferai un petit effort. Ok. Ah! Heureusement qu'il se barre pas comme dans les grottes. Sinon, je serais vraiment mal. Meurs. Ça va, c'est rentable d'avoir un Mewtwo contre un Solochi. Quand c'est comme ça, c'est super, mais quand c'est dans l'autre sens, le truc pas du tout hacké, quoi. Mimile, je t'aurai un jour. Je t'aurai. Non mais ta poix ça marchait peut-être aujourd'hui mais pas demain. Pas tout le temps. Je pense les deux en fait. Et de l'un Mewtwo Shiny comme ça là, les champs miracles en GTS. C'est qu'il est. Il est hack. Mais après cloné sûrement. Allez le chaffreux. Allez allez. En dessous des 200, ce serait pas mal. Tout peut arriver. Ce Lamantine, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression qu'il est shiny. Allez, petit, petit, petit. Mais en plus, il reste plus beaucoup de temps. Allez, il en restera 4 derrière à faire. Bon, allez, je fais les 4 derniers. Parce que là, je vais être à 196. Manière d'aller à 200. D'avoir un chiffre tout rond pour vous quitter sur ça au moins. Mais j'avoue que j'aurais bien avancé sur Chaffreux. Je suis assez contente même si je l'ai pas encore. Donc ça je vais le continuer en off par contre. Allez, allez. Plus que 3 à faire. Je vais enchaîner moi.
Laisse-moi enchaîner, s'il te plaît, Chaffreux. J'ai pas toute la soirée. Allez, allez, allez. Ah. Oh, je le supplierai pas quand même, ce serait plus déjà un Pokémon pour relancer la chaîne, vu qu'il ne voulait pas venir. Manière de pas trop tarder non plus. Allez. 199. D'accord, Sinfara. Bonne soirée. Des bisous. De toute façon, là, je vais faire la dernière rencontre de Chaffreux. Et j'arrête là. Donc, je pense que. À moins que tu cours, je pense pas que j'aurai. Je serai encore là. Et le Chaffreux et il est comment? Shiny, pas shiny. Oh! Et c'est étonnant, il n'est pas shiny. Je m'en doutais pas. Voilà, je le tue. Donc j'espère que ce live vous a plu, que vous avez vraiment apprécié cette, on va dire cette ambiance un peu cosy. Donc du coup pour les codes, je vais les gratter en off et je vous les envoie par MP Twitch. Voilà. Donc je vous dis à demain pour le prochain live. Bonne soirée. Des bisous.